La fraternité entre les peuples d'Europe est la vocation de sa vie. Robert Schuman est un homme de paix, un homme des frontières qu'on dépasse avec hardiesse. Une histoire ancrée dans ses racines chrétiennes et multiculturelles. Tout s'organise autour de ce catholicisme. L'engagement politique, l'engagement militant, la défense des intérêts locaux, la défense de l'Europe. Il va, comme catholique, comme Mosellan, pouvoir se dire « c'est maintenant qu'on fait la paix ». Mais qui était vraiment cet homme derrière son engagement politique? C'est quelqu'un qui a complètement servi, qui s'est mis à la disposition de ses concitoyens, de la Moselle, de la France et de l'Europe. Robert Schuman, l'homme des frontières, un documentaire inédit.